Fait que là, on coupe ça à peu près 8 cm par 8 cm. Hey, d'une précision! C'est comme ça, fait comme ça. Là, ça donne ça, mais là, je suis sur une nappe, fait que ça coupe mal. Fait que là, tu transportes ça sur le comptoir. Ouais. Tu mets un peu de préparation avec une cuillère et tes doigts. Et t'en mets beaucoup! Mais, fait qu'est-ce qu'on mange ça, papa? C'est pas faux des amuse-gueules. Ben si bon. Tu mets ça de même, tu mets un peu d'eau. C'est petit, mais ça fait pareil. Il est 8 cm par 8 cm. Oh, si on suit ta recette. Ah oui, j'ai mis ça. Si on suit par ta recette. Ok, si c'est marqué, tu mets recette. Ouais, ouais. C'est toi qui as fait la recette. On tourne. On tourne comme ça. Puis ça fait un beau petit rouleau. Ça donne à peu près ça. On voit que Gabi s'est améliorée beaucoup. Il y avait deux qui sans la technique et deux avec la technique. On continue. Ça va être sur le web en plus, ça. Ça, ça va avoir l'air fou à ce moment-là. Ça va avoir l'air fou encore une fois. Ben, toi aussi, vraiment. Moi aussi, encore une fois, mais moi je suis habitué, je suis comme immunisé comme ça. L'air fou. T'es comme habitué, t'as déjà la réputation. J'ai déjà la réputation d'avoir l'air fou. Mais tu as remarqué que c'est pas moi qu'on voit, on voit juste des mains. Mais là, regarde. Ah, ben oui, mais oui, mais tu veux, regarde, tu vas avoir peut-être des millions de vues. Ben oui, des millions moins quelques zéros. Le béchamel est en train d'épaissir. Dans la recette, il y avait-tu des herbes salées dans le béchamel? Non. Moi, j'en mets un petit peu. J'en mets un petit peu. Avec les assiettes, ça donne à peu près ça. Ouais. Tu peux parler si tu veux, là, à l'épaissie, non? Es-tu prêt? Ben, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a dit. Non, non. Ouais, c'est pas mal différent. Ben, elle pourrait être plus épaisse, mais ça, comme ça va épaissir au four, est correct. On vide un peu. Un peu dans lui. Ça, faut faire ça pour que les. Pour que les pâtes cuisent. Ouais, c'est l'eau des pâtes, en fin de compte, qui manque. Sinon, par expérience, ben. Lâche-nous. Puis tu vides la béchamel là-dessus. T'as envie de part égale, que ça donne la même affaire. Mais bon. Faut que ça dépasse, il faut que ça soit par-dessus. OK. Ensuite de ça, on garoche au four. Oh. Oups. Premier bouillon dessus, notre 45 minutes. Ça, un coup cuit. On va rester à mettre ça dans les plats dans 10 minutes. Il faut laisser reposer. Oui, il faut laisser reposer 10 minutes avec un papier d'aluminium. Ouais. Pour juste un peu. Ça. Un petit peu de jus. Jean-Luc, il n'y en a pas? Non, Jean-Luc. Okay, il est au régime. Fait que... non. On fait ça. Moi, j'en veux pas mal. Là, tu me caches. Oui. Si, comme ça. Ça donne ça. Puis là, ben, on est supposé de râper du parmesan dessus. Fait que, ah, ouais, râpe. Arrête de râper en moumoune, non? Je te rends par moment. Oui, j'ai peur. Oh, regardez, regardez ça comme ça. Ça sera pas publiable, ça. on recommence, maintenant. Non, ça va bien, oui.